Les grenouilles sont dans le panier! Les lunettes sont dans le tournevis! Je vous donne rendez-vous 49 pas sur votre gauche. Vous me reconnaîtrez. Votre mari vous cherche toujours, vous savez. Il a qu'à regarder sous le lit. Effectivement. Je lui dirai rien. Installez-vous donc. Tout ce que vous avez sur l'affaire des ours en guimauve ? Non, il y a d'autres affaires, mais qui semblent étrangement toutes converger sur un point commun. Lequel ? La vérité vous sera révélée. Je sais pas, c'est vraiment une enquête hors du commun. Et si vous échouez, il vous écartera de l'affaire. Vous en savez déjà trop. Partez maintenant. Vous lui faites confiance ? Il ne faut faire confiance à personne. Elle est un peu floue, non ? Raison de plus pour ne pas lui faire confiance. Pourquoi vouloir l'aider, alors ? Parce qu'il y a des gens qui meurent. Et j'aime pas les gens qui meurent. Et voilà, c'était les T-Raptors à l'instant sur les ondes de Hershits FM, extrait de leur prochain album Always On Time, un album qui, on n'en doute pas, sera aussi controversé que le précédent. Côté news, flash info, quelques nouvelles sur l'affaire Linus Witch. Les inspecteurs mandatés pour l'interroger ont simplement disparu. On aurait retrouvé près de leur véhicule des restes d'ours en guimauve, ce qui confirmerait les théories selon lesquelles cette phrase est censée se terminer quelque part, mais en réalité, aucun sens. Vous savez, les nouvelles vont vite. Très vite, même. Combien ? Environ 42 km/h. C'est lent. C'est plutôt rapide pour une nouvelle. Je vais accélérer les choses. Ne faut peut-être pas en abuser. Je fais ce que je veux. Absolument pas. Aidez-moi. Pitié, je... Tout ça n'a aucun sens. Je peux t'aider, Lewis ? Je sais pas où aller. Il n'y a qu'un seul sens. J'en vois aucun. Tu sais, tu n'as qu'à demander et je te guiderai. Merci. Il y a autre chose ?
Tu ne peux rien me cacher, Lewis, tu le sais. Et si tout ceci n'avait aucun sens? Si la vie, cette enquête, ces disparitions... Si tout ceci n'avait aucun sens et n'était qu'une utilité restreinte? Peut-être, oui. Mais si c'était le cas, qu'est-ce que cela changerait pour toi? Je sais pas, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Tu n'as rien à craindre, petit homme, et confiance. Je suis là pour t'aider. Tu n'as qu'à continuer à donner les indications à la fille, et tout ira pour le mieux. C'est vrai alors, ce projet sur la loi de l'avortement involontaire accordé par consensus individuel? Oui, ouais. Envoyez-moi l'adresse, j'y vais tout de suite après mon rendez-vous. Ouais, merci. Merci pour votre aide. Remettre un terme à tout ça sans que personne ait à mourir. Qu'il va le faire. Cette fille nous pose de plus en plus de problèmes. Tu comptes faire quoi? Il faut qu'on les arrête. Et vous connaissez le coupable au moins? Je sais où le trouver. Et après, vous comptez lui faire quoi? L'exterminer. Je vois. Quel est son nom? George S. Davis. Comment? George's Davis. George Vess Davis? George's Davis. Hein, George's Davis? George's Davis. George's Davies? George's Davis. George's Coupe Davis? George's Davis. Davis et George's? George's et Davis. C'est dur à dire. C'est ce qui causera sa perte. Et la vôtre, pareil. Attendez, vous êtes en train de manger quoi, là? Hein? Et vous? Qu'est-ce que vous me cachez? Rien. Pourquoi? Non, attendez, non! C'est pas ce que vous pensez que vous croyez! Kelvin! Vous saviez tout! Depuis le début! Ah ben, Chase, alors, me voilà démasqué! Où est-il? Je ne parlerai qu'en présence de mon père ou que sous la contrainte de la torture. Ton père ne peut plus venir à ton secours maintenant. Quoi? Ah, mon fils! Oh non, papa! Pars, mon fils, fuis! Maintenant, dis-moi où je peux trouver George S. Davis! Jamais! Plutôt mourir! Je vais te faire parler, Kelvin. Même si je dois utiliser la manière forte. Non, papa, non! Non, arrêtez! Ah, Chase, arrête! Non, j'ai peur! Aïe, arrête! Non! Oh non. Oh non, le tueur quotidien, non! Oh non! Oh non! Alors on y est, je ne me trompe pas. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pour ça que tu es là. Qu'elle est là. Car tout ça doit finir. Aujourd'hui. C'était toi. Depuis le début. Thank you.
toi, Lena Svitch. Kelvin! Tu n'as vraiment qu'un cœur. Tu es mal placé pour parler, George S. Davis. J'ai plus de pièces pour te protéger désormais. Toi non plus. Comment oses-tu ? Tu me dégoûtes ! Que tu puisses faire ça à tes opposants, c'est une chose, mais à tes propres alliés ! Vas-y, Lewis, détruis-le. Non. Je t'ai dit qu'il en était hors de question. Fais ce que je te dis, on va mettre un terme à cette folie. Non, Lewis, tu n'as aucune chance ! C'est pas comme ça que ça devait se passer. On devait résoudre cette affaire sans la moindre violence. Je peux te sauver, Lewis. Tu n'as pas à prendre parti. Je peux te sauver. Non. Vous m'avez menti. Vous m'avez tous menti. Non, Lewis. Tu leur as juste fait confiance. Et il ne faut faire confiance à personne. Il ne faut faire confiance à personne. Tu voulais sauver des vies, mais tu as oublié de sauver la tienne. Viens avec moi. Tu as raison. Ce combat n'a aucun sens. Crois-moi. T'as pas le cran d'aller jusqu'au bout ? Allez, achève-le! Lewis, je t'en supplie, ne fais pas la même erreur que moi. Allez, oublie-moi, là! Arrêtez! Allez, ça suffit, maintenant, hein! Tu m'écoutes? Arrêtez! Bon, ok, j'ai compris. Ça veut mal se passer pour toi. Oui, je sais, oui. Oui, un mensonge est toujours plus convaincant lorsqu'il est caché par deux vérités. Ça, tu le dis tout le temps. Oui, mais écoute-moi. Cette fois-ci, c'est différent. La vérité est ailleurs. Mais non. J'ai retrouvé ta femme. Je m'en occupe. Ah bonjour, vous êtes là, je ne vous avais pas vu. Si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle j'ai participé et sans doute fait absolument tout, vous pouvez lâcher un like. Pour voir d'autres vidéos dans lesquelles j'ai participé et sans doute fait absolument tout, vous pouvez les retrouver sur ce côté et vous abonner à cette chaîne pour nous soutenir parce que, soi-disant, on est une équipe, donc faut que je dise nous. Enfin bon, voilà.